is like the sun I might have known. If God had granted me a son, the summer's done. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port. Oh putain de ok. On est parti. Ah putain, ça va être compliqué avec ce hockey. Deux secondes. Ah bah, lisez l'histoire, profitez pour faire des conneries.
la guerre ne meurt jamais. En 1776, cette grande nation a accepté que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Si nos pères fondateurs nous voyaient aujourd'hui. D'Antietam à Amiens, d'Okinawa à Anchorage, nous avons combattu. À présent, la menace rouge est à nos portes. La démocratie elle-même est menacée d'extinction. C'est pourquoi aujourd'hui, le 4 juillet 2076, 300 ans après la création de notre grande nation, nous sommes réunis pour célébrer la fin de la construction de l'abri 76. Ce gigantesque abri souterrain a certes été conçu par Voltec, mais c'est vous qui l'avez bâti, peuple d'Amérique. Afin que si les bombes tombent, si notre fin arrive, notre style de vie puisse survivre. Mais tous ne seront pas sauvés. Ceux qui seront choisis pour entrer dans cet abri devront être les meilleurs d'entre nous. Quand les combats auront cessé et que le nuage se dissipera, il sera temps de reconstruire. Pas seulement les façades, pas seulement les bâtiments, mais nos cœurs, nos esprits. Et en fin de compte, l'Amérique elle-même. Nous nous tenons ici aujourd'hui avec l'espoir que le monde connaisse. Mais si notre destin est différent, si la guerre doit arriver, nous serons unis et nous saurons qu'ici, dans l'abri 76, l'avenir nous appartient. Oh putain, ça met l'ambiance. Je parle aussi de ceux qui ont un peu trop célébré ou dormi. Alors, la tronche. Maintenant, il est l'heure de vous réveiller. Oui. Hop. Nous sommes enfermés ici depuis trop longtemps. Oh là là, putain. Aujourd'hui, on va se marrer. C'est la fête de la reconquête. Il est peut-être temps de partir, mais je on va partir sur cette base-là. Dans l'abri Ah oui, d'accord. Vous êtes des hommes et des femmes de tous horizons, de toutes origines, de couleurs de peau ou croyances. Mais vous partagez tous... Un essieu séduisant, un néromain. Oh putain. Ça va trop loin, ça va trop loin, ces conneries. Oula, je suis pif. Romain, ciselé. Tiens. Voilà. Pilosité faciale, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un peu plus. Une bonne grosse bobard. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ja, es stand was, ich hab drauf geklickt und. Es ist. Okay. String und Tab. Oi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça vient. What the fuck? Ça vient d'où? Ich hab dich auf Versehen stumm geschalten. So, jetzt. Où est l'Allemande qui parle dans mon casque? Ja. Wir haben nicht dieselbe Welt. Ça vient d'où? C'est quoi ce délire? Was ist los? Was ist gerade passiert? C'est quoi ce délire? Oui. Je sais pas d'où ça vient. Oh putain! Ça vient du jeu? Ouais, on va partir du principe que ça vient du jeu pour le moment. Non, ça c'est pas possible. Das gibt's auch noch nicht. Wir spielen's trotzdem. Mais c'est... Oui. Ah, mais c'est peut-être...
C'est un Chatting Game. Ich will nur eigentlich die Haarfarbe ändern. C'est peut-être un Chatting Game. Oh, c'est immonde. Oh, c'est relou. Ah, ça me saoule. Ah, je suis saoulé déjà. Vas-y, on va lui mettre ça comme de barre. Couleur. Ach egal, ich habe jetzt einfach blonde Haare. Oh oui, peu rose. Okay, dann habe ich jetzt erstmal blonde Haare. Et... On peut pas trop lui mettre la peau rose non plus, mais je vais rester dessus, pommade. Type. Oh, c'est trop chiant ça. J'aime bien la personnalisation, mais je pousserai jamais jusque là, moi. C'est... So, bin auf dem Weg zu dir. Enfin, un truc comme ça. Elle est bien cravée, comme nous tous. Ouais, c'est bon. Extra. Wie kann man in third-person-perspektive gehen? Maquillage. Ouh. Non, on va pas partir sur un truc d'ignorance quand même. On va se limiter. On va partir là-dessus. Le corps. Un peu des deux. Un gros tas. Un gros tas. Et comme ça, il meurt dans les premiers jours. Comme ça, c'est fait. Non, c'est un mix un peu des deux. Faire un peu un mix des deux. Voilà. Extra. Oui, bon, je vais terminer. Je sais pas si je mets ce pseudo. Ouais, on va partir sur Zilan, comme ça. Quelqu'un me connaît sur le jeu. Avec ce pseudo-là, il devrait pas me connaître normalement. Ah. J'ai appuyé sur entrée trop fort. Bon. Bah, on lance. Quelle idée d'appuyer sur entrée non plus. Sur Mark Kevin, je peux comprendre aussi. Les mecs sont un peu déçus. Ils sont un poil déçus. Que ce soit lui qui était choisi. Je sais pas, j'attends de voir. Étant donné qu'il s'inspire des livres et pas des jeux, c'est beaucoup plus tôt dans l'univers de. The Witcher, de ce que j'ai entendu. Non. Oh, c'est relou, ça passe à regarder. Non, mais ils sont sérieux, là. La guerre ne meurt jamais. En 1776, cette alors. Grande nation a accepté. Hop. Oh là 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 là. Bon, je nettoie mes lunettes de seconde. Hein. J'espère que vous avez bien profité de la fête hier soir. Je parle aussi de ceux qui ont un peu trop célébré ou dormi. Bon. Il est l'heure de vous réveiller. Ouais, un peu plus vite, ça s'en fait pas. Ouais, j'en fais pas. Si ça crache à chaque fois, on va partir sur un modèle de base parce que. Jusqu'à ce que ça passe, parce que j'aimerais bien jouer. J'ai tellement peur de ce Fallout là, quoi. Tellement de. De trucs qui puent dans ce qu'ils annoncent en soi. Un Fallout Coop, je signe quand vous voulez, mais par contre, un Battle Royale-like, ça me chauffe pas du tout. J'étais parti sur quel visage. Ouais, on était sur ça. Les cheveux.
Northwest style. Employé de bureau. Un peu bar. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Chape annulée. Pilosité faciale. Survivant. Les yeux. J'ai changé la couleur des yeux. On va passer sur un marron. Corps. Moitié. Terminé. Anne. Ah. C'est oui. Bon, on va essayer de faire le truc un peu sérieux. Oui. C'est bon ? Non ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Nous sommes prêts, vous êtes prêts, l'Amérique nous attend, allons-y. D'accord. Totalité. D'accord. Ok. Lol, non. Je suis très mauvais sur ce genre de jeu. Je le montre à ma sœur celui-là. C'est nul, on peut pas tout ramasser. Ça commence mal. Jeu de merde. Décoration murale activée, ça fait quoi? Cliffing. Morning. Ouais. La bonne propagande des familles. Du bordel. Toujours dans un style très années 50, hein, bien sûr. Là, pour moi, la bande son, ça va être le plus important. Ouais. Ça, je vais juger très durement la bande son. C'est que là. Sun Fallout 3 m'a fait tenir des heures dessus. Donc, si c'est puant, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Rien que ça. C'est une responsabilité écrasante. Sachez simplement que. Ouais, on n'est pas trop sur un truc moyen athlétique. Patate. Patate de froid. Je serai déjà parti depuis plusieurs heures. Comment range les armes? Y'a plus personne quoi. Waouh! Grosse ambiance. Terminé. Attends, y'a mon micro qui est activé. Ah, y'a mon micro qui est activé en jeu! Allez tous vous faire foutre! Comment on coupe ça? Z menu. Option. Audio, mode chat vocal, zone, équipe, ok, on va rester en équipe, même si j'ai pas d'équipe. Ça me saoule, attends, alors. Tirer marqueur, voilà. Bonjour. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Ah, enfin, j'ai cru que... C'est bon. Vous ne vous souvenez pas? C'est la fête de la reconquête! C'est l'heure de sortir de l'abri! Pratiquement tout le monde est déjà parti! Allez, on s'active! Mm-hmm. Oui. Chaque coffre de survie renferme du matériel qui vous est destiné. Attention, il n'y en a qu'un par ici. Bon, je fais ça sans grande conviction, mais je. Essayer d'ouvrir les portes, voir s'il y a moyen d'explorer ou pas. Oh, un autre joueur. Bon,
Baba 2809. Non. Non, Fanzouz, non. Fuyons. Est-ce que je peux... Non, je peux pas. Je peux pas voler son courrier non plus. C'est pas drôle. Ça va, la salle de sport. Et là. Bon, j'imagine que c'est par... Peut-être pas. Il y a beaucoup d'eau à l'extérieur. Oh la vache. On va régénérer un petit peu de vigueur. Et des robots partout. Faire la construction, prendre. Quitter la chaleur et la sécurité de cet abri pour une nature impitoyable, sans feu ni électricité. Ah. Ces ballons-là, ils sont indestructibles, d'accord. Adhésif en accès à Madassi. J'espère qu'il n'y a pas une... C'est pas tellement poussé que ça sur le craft de maison, ça m'avait un peu saoulé sur Fallout 4. C'est pas tellement mon délire en tout cas. Your pit boy, your friend. L'une des devises innombrables de Voltec. Le bonheur, c'est le labeur. Bon. En tout cas, l'ambiance, on y est. Hein. Février. Similarité 1. Chaque fois, je perds. 0. Pipes. Oh, 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 le dieu. Oui. Instruction de sécurité de l'abri sincère. Lorsque vous recevrez la vie d'activation, votre équipe sera autorisée à utiliser la force létale tout ce qu'on a. Vous gérez promptement, soit les résidents autorisés peuvent être admis à l'intérieur de Marie, tout autre personne. Ça devait y avoir une sacrée ambiance. En train de chanter à tue-tête durant la nuit. J'ai prétend que... Comment on va trouver, ouais. Justement, pour ce côté, après avoir dit à Jefferson qu'il n'était qu'un aligneur, j'ai demandé au chef si nous pouvions coffrer Jack pour faux déclaration, mais il est techniquement bien subi une agression. Lol. Bon. Dernière entrée. Comment pour moi ils ont des yeux de fou, j'ai fui. On m'attendait. Ouais, je pense que nous avons une chance. Ouais. Alors, c'est toujours le même principe, c'est la moitié des... Enfin, une partie des trucs de Voltec qui sont en fait des lieux pour faire des expériences sur les gens. C'est une expérience ancienne, pense bleu. Y a pas un truc à loot, non. C'est la misère. Je suis jamais sorti avec aussi peu de choses d'un abri. Quel que soit le fallout. Quel que soit le fallout dont on parle. J'ai l'impression que c'est instancié ici. Pas de sentiment sur une instance. Wow.
Ça, sans l'écran de chargement. Voilà. Ça, c'est décevant. Ça commence. Enfin, c'est. C'est nécessaire à tous les serveurs, j'imagine, mais c'est décevant. Un chargement comme ça. On pourrait penser que c'est sur une grande map, mais non, ouais. Je sais pas. On va bien voir. En tout cas, le chargement commence à durer un peu longtemps. Cette tête de vainqueur, quoi. Bon! Alors. Ah. Enfin, là où ça va être chiant, c'est que du coup, vu que c'est dans ce genre de. Un monde comme ça, c'est. Obligatoirement. Pas faire de mettre en pause, donc il n'y a pas de monsieur, d'arnaque pendant les fights. J'ai trouvé cette holobande sur le terminal du superviseur. J'en ai écouté un passage. Vous devriez aller la voir à son camp, un peu plus loin, sur la route. Mmh. Pardon. Par là. Le bon JPEG là-bas. Cadavre de Samaritain, je pense. Ouais. Mmh. Est-ce que je peux les lire sans les prendre? Je ne peux pas. C'est une goule? C'est une goule ou il a oublié de mettre des textures? Textures sans doute. C'est d'ailleurs là. Ces rochers sont laids. Ces rochers sont très laids. Est-ce que je peux lire le papier qu'on m'a refilé du coup? Aide d'hiver. Note, ordre de Maria Chavez. Qu'est-ce que c'est que fasse l'arme de chez moi? Cette porte devrait bien s'ouvrir à un moment donné. Et... Ça n'explique pas grand-chose tout ça. Je viens de me faire tirer dessus, j'ai rêvé. Qui me tire dessus. Ah non. Chier. Saloperie. Ah, ça c'est un robot des Chinois. Ah, c'est la saloperie de robot des Chinois. Soit. Hop. Oui, je ramasse tout. Hein. Ça c'est la flex. Tout ce que je vois sur ma route, je le ramasse. Les couleurs sont vachement claires. J'ai le vague sentiment que... Alors... Vérifier quelque chose... Ça par contre ça va me saouler. Je pense qu'il est passé en 140... Ils ont fait passer mon écran 144 Hz alors que je lui ai rien demandé. Bah même pas. Bon, soit. J'ai parlé trop vite. Ah, la map elle est pas dégueu. Niveau taille elle est pas dégueu pour l'instant. Bon point. Un bon point. Ça c'est les joueurs qu'il y a dans mon instance j'imagine. Hop.
C'est beaucoup, beaucoup trop clair. Donc. Toi, c'est quoi ça? 35. Hop. Bon. C'est vachement clair, quoi. Ça me pète les yeux, même. Et je dirais même plus, ça me pète les yeux. Fleur de chouille, hop. Ça s'est pris. Prendre une douche dans l'eau irradiée, c'est peut-être pas la meilleure idée, vous voyez. Toué, 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 reviens. Chier. Là. Salope. C'était gratuit, oui. Il y a quoi dedans? Ouh, les cartouches. C'est pour ça. Il y a pas une boîte à côté. Casquette de pêcheur, tiens. Pour un style... Mais... Casse-toi. Une teinture noire pour le style, une casquette de pêcheur pour encore plus de style. Est-ce que j'ai pas trop de style? Je sais même pas où je vais, en fait. La map, c'était... C'est pas cette touche. C'est cette touche. Trouver le camp du chevalier. Donc c'est bien par là. Comment on range l'arme? Il ne sait pas comment on range l'arme. Ah, tombe la molette pour... Changement rapide d'angle de vue. C'est une sacrée trotte jusqu'au campement du superviseur. Il n'y a pas grand chose... à buter. Reviens là. Je te pète la gueule. Oh, allez, je suis une trempe de fièvre, c'est ouf. Terrible. Terrible, c'est trempe de FPS. J'ai pas dit, mais je suis perdu. Ouais, c'est bien le jeu. Est-ce qu'il y a des... settings dans le jeu qui sont useless. Oh. Oh, je sens que c'est... Vous allez voir des boosts. J'espère vraiment que c'est... c'est purement cosmétique leur boutique là. Parce que sinon ça va mal se mettre. Options, fichage. Je passais en pleine. Ah, il y a que des changements que. Oh là là, ça c'est nul. Ça c'est très très nul. Changement uniquement. On reboot quand même. On quelle année ici. Bon. De toute façon. Grand chose à changer, je regarderai plus tard s'il y a vraiment des settings impactants quoi. C'est très flou. Ça c'est... Alors masser ça par là, si. Vu comme ça brille. Excusez-moi, elle est où là? Rendez l'eau. Superviseur.
sud de l'abri 76. Je savais que je ne retrouverais pas les Appalaches de mes souvenirs, mais... des animaux mutants, des robots détraqués... Et jusqu'ici, pas âme qui vive. Nous devons nous tenir prêts pour reconstruire dans ce que je confirme être une région hostile. Heureusement, Voltec était prêt. C'est tout. Vous voyez ça? Un poste de cuisine, une caisse de matériel, des ateliers. Tout a été construit avec le camp. Il vous faudra une base dehors. Le centre d'assemblage et de montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Vous n'aurez besoin que de ressources, de planification et d'un peu d'huile de coude. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit sera stocké et prêt à être placé dans une nouvelle zone. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. J'ai laissé mon camp derrière moi pour que vous puissiez l'utiliser. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais après avoir vu l'état des Appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûr que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je me débrouillerai sans. La ville de Flatwoods devrait se trouver au bout du chemin. Du moins, si elle existe encore. Vous me retrouverez là-bas. C'était votre superviseur. Terminé. Ça me... c'est... oui. C'est... je vois pas trop quoi dire, pour le coup. Tout combat, oui. The fuck is this? C'est quoi ce truc? Aucune idée. Fabriquer un élément d'armure, fabriquer une arme. Armure légère. Est-ce qu'on peut faire un plastron? Ouais, largement quoi faire un plastron. Perfectionner. Voilà. Faut qu'on aille chasser, j'imagine. Quitter la station. Fabriquer. J'aimerais bien fabriquer une arme, non? C'est la modification. Bon. J'imagine que c'est pas ici. Oui, c'est pas là. Ah oui, il y a une autre station juste à côté, je suis con. Le cuir. Pourquoi ça me... ah, ça m'énerve. C'est un plastron en cuir, ça. Ma gueule, le jeu. Table d'armes. Alors, qu'est-ce que... je pourrais faire. Huile, vis, acier. J'ai pas de ressources. C'est chiant. Donc peut-être que si en fait. Tac 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 tac. Hop. Métal, scotch. Plein de ressources de base. Recycler objet. Couteau de combat, on s'en fout, je vais m'acheter. Cuivre vert, on s'en fout. Ça, je m'en fous. Scotch, je m'en fous. And that's it. Yeah. Bon. Fabriquer. Est-ce que maintenant je peux construire quelque chose d'intéressant? Pistolet à seringue. On va se faire un revolver de... j'ai quoi comme munitions sur moi? J'avais des munitions, je me rappelle plus quel genre. Aide, tenue, arme, c'est où déjà? Oh, note, ma caméra, munitions. J'ai 20 cartouches de 38 et 20. 30 cartouches de 38 et 20 de 45. Arme de fortune. C'est quoi ça? 38, 45.
Partir là-dessus quand même, je préfère. Je préfère le 45. Hein. Peut-être une connerie que je fais. Hein, mais... Ah, par contre, ce que j'aime pas, c'est être à latte. Ah, touche de merde. Allô. Allô. Merde. Le castor va prendre pour tout le monde. Il est où? J'avais cru voir un castor. Mon trottoir. Ouais. Alors. Ah, ça m'énerve. Ce kidnapping de ses morts. Favori. Favori. J'ai pris un niveau. C'est tout. Tout. Comment nous sommes-nous? Oh là là! C'est pas dingue. Il est déjà chargé le bordel, je vais pas l'équiper. Il est déjà chargé. Bon. Est-ce que j'ai du Radix? C'est pas ça. Radaway. 300 rad. Je suis à combien de radius? Casse-toi! Toué, casse-toué! Merci! Oh non, ils ont compté la bouffe! Va falloir faire attention à la bouffe! C'est ultra relou! PV, donc j'ai 35 de radius sur la TM. Vous avez fait la limite. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver, genre très vite. Allez. On va aller à Flatwood, j'imagine que c'est là-bas. Flatwoods, ok. Le truc de la molette, ça va me saouler. Ah! Ça c'est un truc de console. 100% c'est une mécanique de console. J'ai horreur de ça. C'est fait pour les consoleux. C'est terrible. Enfin, pour tous, toutes les sourasses qui jouent à la manette. Je vous juge. Je vous vois. Tout le monde vous juge d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? C'est méchant. C'est très méchant. L'assaut! Personne n'a rien vu. Donc il va falloir gérer la bouffe. Oh, ça me fatigue. Oh, je suis saoulé. Je suis saoulé, quoi. C'est mort. Bien pris ce que je mérite. Je vous boufferai ce soir. Allô les tâches. C'était voilà. Va falloir viser. Et timé. C'est quoi ce monsieur? C'est des grenouilles ça?
Reviens. Des grenouilles radioactives. C'est trop bien. Crever. 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 Oui. Du coup, je sais toujours pas comment ranger les armes. Hein. J'ai des drops de FPS, c'est relou. Ce jeu est en train de faire tousser ma 1070 quand même. Tolérable. Faudra que. J'ai même pas regardé s'il y avait des drivers qui étaient sortis. J'évite de garder la lumière allumée parce que tant que je sais pas si le PVP est forcément actif ou pas, et s'il y a du PVP d'ailleurs. J'en suis même pas sûr pour tout vous dire. Tant que je suis pas sûr de ça, je ne laisse pas la lumière allumée. Est-ce qu'il y a des trucs de merde à prendre en cycle? Enfin, ça me fatigue. Ça m'avait fatigué sur Fallout 4. Ça va me fatiguer ici. Cette obligation de ramasser toutes les merdes que tu vois sur ta route juste pour pouvoir construire des d'autres merdes. Table annulée. J'ai pas encore envie de me balader à poil. Ça c'est bien. Revolver de fortune. Tu me. T'évites de me le. On va éviter de le recycler tout de suite. Hein. C'est bien mort comme ambiance, hein, c'est... On n'aurait pas croisé grand-chose. Avec la physique. Comme un poste. Journal du superviseur. Ville de Flatwood. Mon Dieu. Il n'y a personne ici. L'ancienne taverne, l'église... Les gens s'en servaient comme abri, mais il n'y a plus personne. On s'attendait à des mutations, mais il s'agit de quelque chose d'autre. D'une maladie. J'ai été attaquée par... Je crois qu'avant, c'était une personne, mais elle présentait des lésions vertes et scintillantes. Et sa voix, furieuse, torturée. On est un. Un quoi? Ce qu'il s'est passé ici dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Et pourtant, on a imaginé l'inimaginable. C'est des germes élevés. Les survivants du coin se faisaient appeler les Samaritains, avant qu'ils se fassent décimer. Un groupe composé de pompiers, de policiers, d'urgentistes, on dirait. Ils avaient même un système automatisé pour apprendre aux gens à traiter l'eau, à cuisiner et à survivre. N'oubliez pas l'entraînement de l'abri. La survie d'abord. Je remplis leurs tests, et vous devriez faire de même. Bon, je suis désolé. Je sais que la situation est bien pire que ce que l'on pensait. Mais quelqu'un doit localiser ces silos à missiles et trouver le moyen de les sécuriser. Les Samaritains sont la meilleure piste que nous possédons. Quand j'en aurai fini ici, je reprendrai la route. Cherchez mes journaux. Je vais partir devant et partager tout ce que je trouve. C'était votre superviseur. Terminé. Steampack dilué. Ah d'accord, je fais plusieurs steam packs avec moi, ok. Pour l'instant, Osef n'est pas tant guerrière que ça. T'es en train de se dire, on a problème dans le tapis, c'est Dasabene, inscription à ce kiosque en libre service. J'ai le vague sentiment que Dasabenami ne va pas être disponible. Alors... On l'appelle la Grande Guerre maintenant. Elle n'a pas duré longtemps, et le théâtre a été sanglant. Bienvenue dans Récits de survivants. Je suis Dasa Benani, samaritaine. Je travaille avec les Samaritains depuis 2 ans maintenant. Je suis originaire de Charleston. Donc je n'ai aucun mal à intégrer le groupe. Le boulot n'était vraiment pas une partie de plaisir. Reconstruire les Appalaches pierre par pierre, alors que des survivants nous rejoignaient régulièrement d'un peu partout. La plupart n'ont fait que passer.
sans raconter leur histoire, sans graver leur nom dans la mémoire collective. J'ai pensé que nous devions conserver cette tranche de vie. D'accord. J'ai demandé aux gens d'enregistrer leurs pensées, leur vécu, tout ce qu'ils veulent transmettre à la postérité. Ah, il est reparti sur du Fallout 4, like, je ramasse toutes les merdes du coin. Hop. J'étais étudiante en anthropologie à l'université Voltec, en master. J'allais imprimer mon mémoire quand j'ai entendu les sirènes. J'étais persuadée que mon père, un employé de Voltec, nous emmènerait tous. Mais nous n'avons reçu que 2 réservations. J'ai refusé de partir. Il est allé dans l'abri avec mon petit frère. Ils ont bien essayé de me persuader, mais en vain. J'ai fini par les pousser à l'intérieur, et c'était réglé. Après ça, je suis rentrée à Charleston. Pour rien essayer jusqu'à ce que les choses se... Le groupe des Samaritains a fini par se constituer, et je me suis enrôlée tout de suite. On en a bavé. Ouais. L'inondation a tout dévasté. On s'est installé à l'aéroport de Morgantown, et maintenant à Flatwoods, qui est, disons, enfin, je reste optimiste. Eh ben, t'es bien con. Je fais partie des effectifs depuis, je sais pas, 2 ans. On a de grandes idées. On peut faire tant de choses pour avancer. On pourrait même, pourquoi pas, reconstruire assez pour vivre une vie normale. What the fuck? Et entre-temps, je continuerai d'enregistrer mes histoires de survivants, quand je le pourrai. L'histoire, c'est nous. Je suis Dassa Benami, et je vous dis à bientôt. Eh ben, je suis fort déçu pour toi. Parce que tu vas voir personne. Volontaire, si vous avez besoin de refaire du stock, Bob a tout ce qu'il vous faut. Ah, un volontaire, qu'est-ce qu'il a de beau? De la merde. Et sachant qu'on peut rien échanger. Parce que. Avec un peu de tout garder. Bon sens et de chance. Vous vous en sortirez très bien dehors. Pour l'instant, je peux pas me permettre. Enfin, je peux pas me dire que je vais jeter des trucs, quoi, parce que t'es tellement obligé de garder tout ce qui bouge. Et vu que tu vas potentiellement devoir t'en servir pour construire des trucs. De merde. Mais construire quand même. Non, c'est pas échappe. Chaque fois, je fais la même connerie. Alors, argent. Tac. Si deviner, tac, on s'en fout. Machine à écrire, hop, on s'en fout. Ça aussi. Et le triangle aussi. Arme, verrou de fortune, ça par contre, ça m'intéresse. Donc, il va falloir que je fasse un tour par l'atelier d'armes qu'on a vu tout à l'heure. Comment je... C'est fantastique de revoir des êtres humains en vie. J'ai bloqué la radio. Oh, y'a pas un petit Naughty Dog qui transmet sur les ondes. C'est décevant. C'est décevant. Alors, oh, le truc de merde. C'était bien ça dans Fallout 3 de pouvoir utiliser des trucs pour... C'est con. C'est con quand même de retomber là-dessus. Enfin là-dedans quoi. Ah là, 6 et 6. Enfin, est-ce que tu veux me dire si j'ai assez ou pas? On va dire que j'ai assez. Première vue, c'était le cas. Station. Alors, du coup, ça me fait une arme en 308 et une arme en 45. Je vais mettre fabriquer C. Un chapeau de pêcheur de merde. C'est mort. J'ai récupéré.
fallait que je le récupère physiquement, le bordel. C'est mort. Toi, t'es veillé. T'es bien veillé. Alors... C'est pour transformer les cheveux en samaritain ou volontaire chaudron. Oui. Kesha, Zistre, Kinderniel, Benamidas. Ça va être très gênant si je la trouve parmi ces gens-là. Wouah, non. C'est passé un truc violent dans le coin. 100% c'est des Riders. Et hop, on commence le pillage. Collection. C'est quoi ce délire? Je suis certainement une connerie d'aller là-bas, mais c'est dans la vie quand même. Selon moi, j'aime pas faire gaffe. Pourquoi il tire dessus? Enfin, c'est qui a tiré dessus surtout? Qui c'est qui a essayé de le flinguer? Ah, c'est une goule. C'était une goule qui a essayé de la dessouder. Enfin, ou alors qui s'est fait dessouder en approchant. Soit. On va voir ce qu'il y a par là-bas. Allons voir ce qu'il y a par là-bas. J'aime pas ces bruits déjà. Oh shit. PF! Raté. PF! En fait, les robots, c'est pas méchant. Allô? Comme on peut faire plein de versions de... de médecine diluée. Au début, ça peut être sympa. Faudra voir si c'est ça reste quand même réellement un minimum efficace, quoi. Parce que sinon, c'est gentiment la merde quand même. La bonne grosse merde. C'est très sombre. C'est chiant surtout. Pas le chien, non, j'ai pas envie de sortir tout de suite. Pas le chien. Y'a pas d'autre chose à voir avant de sortir. Fermé, non, y'a rien par là. Je suis paumé. Je suis passé par là ou pas?
De toute évidence, non. Flair, flair, fier. Ça va être du papier et de la céramique. Lui, ça fait un moment qu'il est refroidi. Tu sais ce que c'est. Bestellaire, Hadaway. C'était bien une sortie. Il y a des sorties partout dans ce bâtiment de merde. Eh, quel con. Allez, plus vite. C'est les vitres. Non, c'est de la merde. Ok, on est dans des serres. Oui, c'est de la recherche agricole, donc c'est logique. Petite get back in. Okay, un bon chargement de ses morts. Allez! Je mets la lumière en intérieur, de toute manière les jeux sont parfaits. LED. Une mer piégée comme un rocon derrière une porte. Ça se bat à l'étage. Hey! D'accord, c'est... Ah! Comme mes ennemis. Détection de cibles potentielles à semer, fertiliser, cultiver, récolter. Hey! Ok, baston. Mais meurs! Bienvenue dans la ferme du futur, rendu possible. Ok, bon. Les robots sont bien agressifs, c'était pas que. C'était pas que parce qu'ils étaient en baston contre les ghouls. Donc ils sont bien agressifs. De mes premiers postes chez Voltec. J'étais surexcitée d'y travailler parce que j'y venais souvent quand j'étais fou. Mais je me souviens qu'une année, c'était le festival de l'automne. Je courais au milieu du labyrinthe de maïs. Je prenais n'importe quel chemin. Papa et maman me criaient de ralentir. Même pas en rêve. J'ai peut-être toujours voulu brûler les étapes. Je ne voulais pas être simple scout. Je devais être chef de troupe. Je ne voulais pas être bonne élève. Je devais être la meilleure. Mon Dieu, que ça me manque. Juste être une enfant. Tous les trois. Notre vie sans histoire. Notre maison sans histoire. C'est raté. La guerre est passée par là. La guerre est passée par là et généralement, il reste pas grand chose debout après. Passionnant. Je ne peux même pas avoir d'histoire pour l'instant, je ramasse tout ce que je trouve. Je ne sais pas s'il y aura un intérêt, mais si pour se retrouver en galère de vis, enfin tous les coups, ce genre de conneries. Allez voir la théière géante.
Détection d'engrais. Saloperie. Millimètres, c'est pas mal. J'espère que ça régène bien. Avec la grande lumière, là. C'est pour un bonus des fans. Ça me peut être porteur de maladie. Ah lol! Lève-toi, salopard. Ouais, ça c'est bien pourri, encore une fois. C'est les mauvais côtés de ce que j'ai chopé de maladie. Hein? Dites. Non? Vraiment, vous êtes sûr? Tant mieux. C'est le point. Perception. Je suis pas sûr que je vais utiliser le mode SVAV. Ça c'est bien. Ça c'est un truc que je vais sûrement abuser à la release. Boyau plombé. C'est un peu le feu. Ça je parlais de toi manqué quand tu viens. McFellen. Alors, à quel point je vais fail? 0 0 0. Ah putain. Généralement je triche un peu sur ce genre de truc sur les autres Fallout, c'est que je sauvegardais, je bourrais. Parce que j'ai pas la patience pour ce genre de conneries. Encore il y aurait un vrai mini-jeu de hack, ce serait intéressant quoi, mais là c'est vraiment du pif. Allez, bon courage quoi. De la merde, pas grand chose d'intéressant globalement. Taras, réserve de compost épuisée, récolte de matériaux biologiques. C'est une brêle. Chier. Alors ça c'est fait, c'est le prix je pense. J'imagine que ça devra pop à l'infini. Sinon il n'y aurait pas grand intérêt. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Attends, on va terminer tout ça. Non. Voilà. Alors, revenir de fortune, bien. C'est tout. Sans rire, c'est tout. C'est que ça, c'était que ça. Oh là là. Arnaque. C'est arnaque moldave. Cette immense arnaque. Enfin, faudra être réactif, hein, parce que là, le truc qui vient m'agresser pendant que j'étais en train de crocheter la porte, ça n'existait pas à une époque. Donc il faudra être actif à ce genre de conneries dans le futur. Non, non, oh, pff, tant pis. Tant pire, tant pire, tant pire. Fait 1h20, je crois, stream 40 minutes, je pense. L'idée, c'est pas non plus de spoiler tout ce qu'il y a. Ce qui a pas l'air d'avoir un grand scénario, ce que j'ai lu, c'est moins orienté sur le scénario que les autres. C'est un peu ce qui me pose problème d'ailleurs, sur ce nouvel opus. Saloperie. Merde.
C'est un peu ce qui me pose problème en fait, qui me freine. Le chat c'est vraiment que c'est... On dirait plutôt, enfin c'est un Rust avec des quêtes quoi, c'est... De ce que j'ai entendu pour le monde, voilà, c'est... On dirait plutôt un Rust avec des quêtes. Donc à mon avis quand on jouera avec des potes ce sera beaucoup mieux quoi, mais... Encore faut trouver des gens prêts à jouer régulièrement ça quoi. Et des gens prêts à jouer à l'histoire. Pas juste foncer. Ça sera clairement pas le but. Ouais, mais on va peut-être prendre un medpack cette fois par contre. D'essai quoi. PV. Est-ce que ça régène jusqu'au bout? Pas vraiment. On prend un petit pomme de soin. Ça me soulera de oui. Est-ce que ça enlève toutes les radiations, supprime 150 radiations, ouais ça passe. Du coup j'ai caché, j'ai un peu gâché le baume de soin de tout à l'heure. On va se finir à l'eau. Supprime ton radiation 4, radiation 4. Toute berzingue, pâté pour chien, radiation de réaction. On prend bouffer la pâté pour chien, on s'en fout. C'est blindé de radiation. J'espère qu'il y a des recettes de cuisine parce que sinon ça va être relou. Histoire de se préparer une cinquantaine de plats à l'avance. Parce que s'il faut vraiment cueillir après la bouffe, ça va être un petit peu pénible pour moi. C'est réaliste, hein, mais... Je joue pas à Fallout pour jouer à un jeu de survie, normalement. Voiture. Ce qui est la voiture. Pas eu de voiture. Ah, elle est là, la voiture. Ah. Enfin, plus très bien marché, ta voiture, non plus. D'accord, donc elle peut... Localisation de matériaux. Alors, bot, c'est mort. Reprise des opérations normales. Voilà. Ça, c'est réglé. Pièce avant de démonter ce cadavre de merde. Est-ce que on se casse? La culture nécessite de se riche en excellence et d'en faire organiser. Pas sûr qu'il tient. Mais il aggro la famille. Bien sûr, ouais. J'en étais où, moi? C'est un objectif là, si j'ai aucune idée de quoi il s'agit. Je pars dessus.
que je la vois là? Non mais elle est pas là Lou. Les bruits, j'ai l'impression de sauter dans une énorme flaque d'eau, y'a rien. C'est un joueur. Un joueur de Sénor. Ah mon retour lui. Retour au tout début. Allez voir la terre géante. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc, on va prendre les quêtes quand même. Kesha McDermott. Flatwood Tryson. Expérience en hydrologie. Cuisinière de Flatwood. Je m'en attribuer 3. C'est encore en train de se régler à grand coup de... De calibre. Eh ben, ça va être vachement utile. La femme nous a demandé à tous de documenter nos histoires personnelles pour la postérité. Ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, moi, c'est Kesha McDermott. Quand les bombes sont tombées, j'étais à Watoka pour coordonner un festival de sciences pour lycéens. Le thème tournait autour de l'avenir des énergies. Alors par contre, l'indication des quêtes, je sais pas du tout vers laquelle je vais. Le chaos complet. Il fallait chercher Ça c'est con tout le jeu. Donc y a pas, j'imagine qu'il n'y a pas de PVP si tous les joueurs sont indiqués comme ça. On s'est regroupé un bon moment dans une vieille maison en ville. Au bout d'un certain temps, j'ai pu ressouder les circuits d'une vieille radio et on a capté la fréquence des Samaritains. Oh, on était fous de joie. Elle est où la tasse géante? Le voyage de Watoga à Flatwood n'a pas été facile, vous vous en doutez. On a croisé la route d'un groupe de connards dans les montagnes qui nous ont volé tous nos vivres. Vous imaginez pas le soulagement que ça a été de trouver les Samaritains à Flatwood. Des tentes pour tout le monde, une cuisine ouverte, du matériel médical, une certaine protection. Oh, nous étions en sécurité. Beaucoup trop clair tout ça. Mais ils avaient un problème. Leur source d'eau était lourdement contaminée. Ils la faisaient bouillir, mais pas assez longtemps pour la rendre potable. Alors, je leur ai proposé de construire un kit permettant de tester et surveiller la contamination. Et je leur ai appris à faire bouillir correctement l'eau. Putain, mais c'est le monde s'améliore peu à peu. Nous devons aussi nous assurer qu'il ne sombre pas à nouveau. Il nous faudra du temps et de l'attention. L'eau est contaminée, oui. Tout est contaminé. Enfin, du temps, de l'attention et une touche de science. Laboratoire de Kesha. Tic-tic-tic. Pas de fleur, c'est tout, c'est sûr. C'est obligatoire. Si tu veux faire quoi que ce soit dans le futur, faut tout ramasser. Je viens de m'irradier comme un connard. Oh merde. Je vais aller chercher mon camp parce que là ça me saoule. Ça me crasse les dents. Si je me rappelle. Où est-ce que je l'ai foutu? Enfin, si il est affiché sur la carte déjà, camp du superviseur. C'était l'homme. Non, c'est pas. Ah, mais ça me saoule. 5 capsules. Nick Taras. Oh putain. Ça m'énerve.
Il faut aller au nord. Mais il y a bien quelqu'un à côté de moi. C'est le nord. La défonce. Salope. Ouais. On va déjà essayer d'atteindre cette merde d'atelier. C'est beaucoup trop loin pour être honnête. C'est beau. La luminosité est horrible. Dites-moi que je peux au moins baisser la luminosité sans avoir à reboot le jeu. Fichage. Les objets font du air ridiculement fou. Shadow Kennedy. C'est pas ça le problème. Je veux baisser la fiche. La lumière. Qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de réglage pour la luminosité, mais c'est dégueulasse quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment tu veux bosser dans des conditions sereines quoi? Oh, ça m'énerve. Alors on va recycler ce pistolet-là. Passionnant, n'est-ce pas? Osef. Ça, ça peut être intéressant de garder. C'est des merdes. Non. C'est l'engrais. Oh putain ce que... Eh, j'ai remis trop de conneries. Voilà, on va remarcher tranquillement. J'ai ramassé. J'ai. Ah ! Puis sur tab. Tabulation. Pour retour arrière. Revolver de fortune, j'ai ramassé un truc. Space modifié. J'ai oublié ce que j'ai ramassé. Culasse de sensibilité. C'est cher, je trouve. Cadence de tir. Ouais, c'est intéressant. On a tout. Même si c'est pas l'arme avec laquelle j'ai plus de balles. Quoique. Presque quoi maintenant. J'ai mis le point, il est là-bas. Allez. On va essayer de se manier l'écran quand même. C'était quoi de vrai? Je savais bien que j'avais entendu un truc, ça l'a pris. Allez, bouffe. Oh, du gars, la machette, c'est mal gâché. J'ai gâché des balles là-dessus. C'est pas un bon trade. C'est bon en tout cas, hein. Il y a des drops de FPS, donc je pense que un driver Nvidia devrait régler la majorité des problèmes quoi, mais. En attendant, c'est un peu la merde. Enfin, c'est un peu merdique comme.
comme optimisation. J'ai pas vu se rapprocher lui. Bouffe. Suivant. Toi aussi tu bouffes. Qu'est-ce qu'ils ont tué ? Un rat de serre ? J'ai bien vu ! J'avais bien entendu. C'est le prix de clébard qui se cachait dans les arbres. C'est pas stable, hein. Enfin c'est vraiment dans l'optimisation pour l'instant. Le monde est quand même immense, hein. Enfin il a l'air immense. Donc c'est excuse, mais franchement j'espère qu'au moment de la release il y aura quand même à minima ils vont fixer un petit peu plus lisser leur taf sur leur moteur de jeu. Parce que ça a l'air d'être exactement le même que Fallout 4 pour l'instant. Je me suis pas beaucoup renseigné sur le jeu en soi. Hein. C'est réellement de la découverte que je fais là. Et donc, je suis allé trop loin. Non, je peux pas aller. Je l'avais mis trop tôt. Donc, pour moi, c'est le moteur du 4 un petit peu. Un petit lifting, quoi. Mais ça reste le moteur du 4. Donc, normalement, ils sont censés avoir eu le temps de l'optimiser, leur bordel. Enfin, j'espère. Établi d'armes. Marteau, pas non. C'est un truc que j'ai déjà pris, ça, tous les coups. Oui, ça a l'air en tout cas. Transfert, non, c'est pas trop ce que je voulais faire. Ce qui m'intéressait, voilà. Fabriquer, on va finir l'armure. Parce que je pense que maintenant je dois avoir de. J'ai toujours pas de quoi finir réellement, quoi. Cuir 2. Si, ça va, ça passe. Ah, full armure. C'est la modification. C'est un cuir. C'est vraiment le cœur, faut que j'aille buter des bestioles, je pense. Quitter la station. Comment je fais pour embarquer mon merdier ? De la dure en auto, pas tellement ce que je veux. Bon, recycler, vas-y, pourquoi tu joues à tes os? Non, c'est pas tes os, c'est tout comme, c'est un Fallout en ligne. Enfin, pour l'instant, ça ressemble plus à du Rust mis dans un univers de Fallout, parce que les quêtes, c'est un petit peu au pif. Et tout est un peu fait au pif, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je peux préparer? Nourriture, tout. Alors. Tiens, je vais préparer. Côte de chien. J'ai pas moyen de tout préparer en même temps. Dard de serre, bref. Soupe de champignons.
tourte au bestellaire, ça on se la fait tout de suite. Steak de râteau. Normalement je devrais avoir assez de bouffe pour me balader un peu partout. Par contre, où est-ce que c'est allé se ranger? Ça c'est une bonne question. Tourte au bestellaire. Un de radiation. Ouais, ça remonte pas mal la vie quand même. Ça remonte pas mal la vie, ça je sais toujours pas comment on peut l'embarquer, j'imagine que c'est ce merdier là. Bon, on retourne faire une... sur le chemin des quêtes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, on va continuer quand même les quêtes là-bas. On va retourner à Flatwood parce que... histoire de pas trimballer des quêtes partout. J'aimerais bien savoir comment range cette arme de merde. Ah oui. Supprimer ce point quand même. Sur le marqueur. Le keymapping, il pue un peu la merde. Je pense qu'à l'arrivée, il faudra que je passe un petit moment là-dessus juste pour tout mettre en ordre. Que ça pue. Oh là là, c'est PA de. L'absence de d'endurance. Est-ce que je parle de ces pneus mais... C'est beau quand même, hein. Putain. Ça reste beau. Enfin, c'est comme je vous dis tout à l'heure, c'est le moteur de Fallout 4, mais il reste correct, quoi, vu la masse de trucs que t'affiches. Bon, y a, au fond là-bas, on voit un machine blur derrière l'as. Mais globalement. Ça reste correct. Pour un jeu qui s'étend comme ça. C'est le prix de Ratope. J'aime pas les Ratopes. Ce que j'aime encore moins, c'est les rats de cafard. Ça, c'est les rats de cafard, c'est. Et je hais ces bestioles. Il fait soif. Swift. Alors. Non, les ratopes même pas beaucoup. Faut dire, je sais pas combien j'ai dû en exterminer sur Fallout 3 et Fallout 4. Sans compter New Vegas. Parce que sur New Vegas aussi, j'en ai buté de ces saloperies. Pas de checker toutes les... Hop, ça c'est du cuir, c'est gratuit, ça fait plaisir. Est-ce que je suis pas beaucoup trop stylé? Non mais regarde-moi ce clochard quoi. Est-ce que j'ai bien mon armure? Est-ce que ça me compte bien comme avec de l'armure? Tenue, ça, cuir gauche. Ouais, j'ai mes 12 points, on dirait. Non, c'est pas que c'est un manque de contenu, c'est qu'il faut que t'ailles le chercher, quoi. Ça manque pas de contenu, hein. C'est, j'ai fait, pour l'instant, j'ai... Attends, je rouvre la map. Je suis parti de la Berry 76 là. Je suis allé jusqu'ici, j'ai ramassé deux quêtes. À la ville, j'ai ramassé deux, trois quêtes. Je suis tombé au pif là-dessus sur le centre de recherche, il y avait des quêtes. Oui, il y a des quêtes, quoi. Mais en fait, c'est, j'ai l'impression que... Y a rien pour te diriger, c'est toi qui dois aller chercher comme dans n'importe quel MMO. D'ailleurs, tu dois aller toi-même chercher les quêtes. Moi, personnellement, ça me dérangera pas, mais après, c'est les gens qui ont besoin d'être tenus par la main pour... Ah non. Non, 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 tu te démerdes. Excusez-moi, pardon. Terminé du diagnostic. Analyser les échantillons d'eau... Type d'eau sale et maladie élevée. Oui, donc. Faites bouillir l'eau à l'aide d'eau sale et de bois combustible. Chimie fabriquée, j'imagine que c'est là. C'est un peu dilué. Peut-être une boisson d'eau bouillie. Là. C'est bon.
vais en refaire une parce que j'ai l'impression que je passe de level avec. Non. C'est pas assez grand. Soif de savoir aller voir le kiosque en libre service. Le kiosque en libre service, il est où? Il est là-bas. Faire des tables, c'est ce qui était. Le premier temps, il va falloir la faire lancer. Ah bah là, oui. Il est belé, oui. Et la fille était du volontaire. Delbert Winters pour nouvelle instruction. 100% il est mort comme les autres. Delbert Winters, c'est lui. Tambridge Street. Oh là là, non mais c'est le tuto, ouais, ici, je crois. Ouais. Et j'ai le vague sentiment d'être dans un tuto. J'ai pas fouillé ici. J'ai pas fouillé. Ah oui. Si, ça je l'avais regardé, je m'en fous. Tic tac tac. Entendu un bruit, c'est un joueur. Ouais, c'est un joueur. Ça, ça peut être sympa. Je rage un peu sur le l'aspect relou d'avoir des joueurs partout, mais c'est. Ça va mettre des. Peu de stress. Parce que le truc, que ce soit zoné comme ça, j'imagine que tu pourras pas du tout régler ta difficulté. Donc quand on va être dans les zones, enfin dans des coins bien chiants avec les. J'oublie comment ils s'appellent. L'espèce de mutant démon là, ça va. Là ils vont nous soulever. On va se chier dessus avec les bruits des autres joueurs dans le coin. Surtout si en plus tu rajoutes du PVP là-dessus, ça va être terrible. Ça va être terrible. Est-ce qu'il faut que je les lise les plans hein. J'ai même pas fait gaffe, note, fiche, plan, est-ce qu'il faut que je lise? Oui, il fallait les lire. Alors, on va les lire. Plan, plan, tac, tac. Publicité pour une TR, j'ai entendu. Serveur, la mise. ZF, recette d'homme de soins, exertonique de Delbert. Voilà, ça va nettoyer un peu. Putain, le haut le cœur quoi. Je regarde. Ah bordel, casse-toi. C'est appétissant tout ça. Tu mets du bois comme combustible. C'est un morceau de viande de brahmine. Tu sais que t'es ma meilleure pote. Dans quelle tête je tire pour te tuer? S'en bat les couilles. Pour l'instant, ouais, on est sur. C'est le pop. On est vraiment sur du Fallout. Hein. C'est l'ambiance années 50. Enfin, la ville ravagée. Par les années, la radiation et tout le bordel, c'est. Alors ça, on est clairement sur du Fallout, hein, ça c'est. J'ai rien à dire. Cuisiner un faux filet. Est-ce qu'il y a un four déjà pour cuisiner un faux filet? Un feu, un four, quelque chose. Des tomates. Ça c'est pour le goût. Quelques petites tomates aux radiations, ça fait toujours plaisir. Donc ouais, niveau ambiance, ouais. J'ai rien à dire. Fruits mutants sauvages. Ça, j'ai déjà ramassé tout à l'heure. Par contre, ça va être chiant de savoir hein, si ça repop au bout d'un moment, savoir et que tu peux pas réellement le ramasser, ça va être pénible. Mais du coup, enfin, c'est pénible. Ah, mais alors ça, c'est... falloir que j'arrête de. D'habitude d'appuyer sur échappe pour quitter les menus, c'est. Mais il va falloir que je me mette dans la tête que sur Fallout, il faut appuyer sur table pour te barrer. Wouah, le petit drop de FPS, bonjour.
J'ai l'air d'un clochard. J'ai l'air d'un clodo. Il faut fidèle. Et non, il voit le kiosque animaux service. Bon, toi. Bon, bah, ça, c'est clairement un tuto. Hein. C'est moins galère que. Enfin, pas vraiment besoin de tuto vu. Arrête de bouffer à tous les articles. J'ai faim. Il y a la bouffe, la gestion de la bouffe et de l'eau, hein, ça t'apporte des bonus. Et j'imagine que si tu laisses trop traîner, trop baisser ta barre, il y aura des malus. Donc ça, il va réellement falloir y faire attention. Ça. Les années des Samaritains terminées, oui. Et donc, contacter à l'aide de la base de données. Ils entendent quoi par la base de données? Ah oui, c'est le poste qui est au début. Alright, alright, alright! Touche-toi, s'il te plaît. Merci. Connexion. Sélectionner un compte volontaire, contacter le QG. Des calcinés? Alors ça, ça me dit rien du tout. T'observer en train de se diriger vers notre base principale, l'aéroport de Morganton. Tous les Samaritains doivent se présenter au QG dans les plus brefs délais. Apporter des armes et des fournitures médicales, Maria Chavez. Ok. Eh ben, il y a de l'ambiance. Message à consultation. Kiosque, rien de du kiosque, entretien. Bon. C'est ce que je peux voir en bas. Bah, d'ailleurs, il va falloir que je. Est-ce que. On voit déjà un effet. Non, effet. Ah, de manie diluée, 1h09, résistance à la maladie, je m'en fous. Oh, résistance à la maladie, par contre, oui, c'est intéressant ça. Ça veut dire que pour éviter d'être emmerdé, il y aura peut-être moyen de. Combat avec deux pouvoirs activés. Ou attaquer des dégâts réduits si attaque. Non. D'accord. Ok. Là, le PVP est activé. Bon. Ça va commencer. Alors, dès le niveau 5, putain. Mais alors, enfin, faut vraiment être zoné. J'espère franchement qu'ils ont bien fait leur truc. Et que t'es zoné avec des mecs de ton niveau, quoi. Pack d'aptitude non ouverte. Ah, oh, des cartes. Secours. Comme c'est Arthur, c'est l'histoire de... Wow. Les vannes de Benza, il faut les lui rendre, hein. C'est... Pétain. N'importe quoi. J'ai mis un point en endurance tout à l'heure. Je vais vous remettre un point en intelligence, moi. Gagner niveau de piratage de temps, ça c'est bien. Ah oui, j'ai un deuxième point, mais donc si vous faites promotion de votre arme, ça c'est toujours bien de voir quand même. Coup de poing fige. Toutes les drogues, le Steam Pack est réduit de 30%. Ah, d'accord, il va y avoir du poids sur les Steam Pack et les drogues. Ça va être relou. Je vais mettre ça pour l'instant parce qu'on n'est pas encore au point où je suis. Enfin, je me noie sous les drogues. Alors, ça, c'est la force. Casse-toi le moustique. Trouvez plus de viande dans ce coup. Il va prendre une claque, le moustique. Pendant que vous êtes là. Vous ne voudriez pas un Steam Pack ou deux. D'accord, ok, donc tu peux stack les cartes. Ça me faisait peur un petit peu. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que ça va fonctionner. Bon, on va mettre une de chaque. Perception, c'est charisme, voilà. Ça fait quoi cette carte? La fin de la stock fond. Vous dans un coup, on a une telle idée qui. Donc ça, c'est bien. Non, c'est-à-dire que quand on glande, on va pas se faire.
être recouvert par la merde. Vous pouvez maintenant participer au combat joueur contre joueur, ça va être terrible. Ça va être terrible, parce que... Point de vue armement, je suis pas là. Je suis pas très présent. Faut que je boive un coup. Faut que je... j'ai de l'eau... Bouilli. C'est blindé de radiation, c'est chiant. Y a du PVP aussi, oui. Bah, je viens de l'activer. En passant niveau 5, c'est PVP ouvert. Donc j'espère sincèrement que événement le messager. Oh bah y'a les mecs là. Événement. Attends. C'est... Ouais, c'est là-bas. Il y a du PVP. Donc maintenant, à voir si c'est bien fait, c'est zoné. Est-ce que ça va être... Il y a moyen aussi de le désactiver temporairement quand si tu te fais farmer, quoi, parce que c'est... C'est ça qui me fait peur, en partie. Parce que... moi, je dis... Du PVP sur un Fallout... Pourquoi pas, ça rajoute toujours une tension, mais il faut se rappeler aussi que il y a beaucoup de gens qui vont venir pour jouer à Fallout. Ils viennent pas pour jouer à Rust ou un jeu à survie à la con, quoi, c'est... Donc là, comme tu peux voir, ils ont fait une merveilleuse animation de l'eau. On distingue bien les remous et le son. Hein, parce que le son est là, mais l'eau n'est pas là. Donc, ouais, excusez. Oui, c'est faux. J'attends de voir. Je suis perplexe face à l'idée de mettre du PVP sur un Fallout. Parce que même sur Tezo... qui lui se réellement considéré comme un MMO, il n'y a pas de PVP en open world. Il n'y a que Cyrodiil quand t'as du PVP, le reste, t'as qu'à dalle, quoi. Vous êtes là pour m'aider? Comme vous le voyez, je suis quelque peu indisposé. Un petit plaisantin m'a renversé et a desserré mon transistor de mémoire. Impossible de continuer sans lui. J'en ai besoin pour accéder au message que je dois livrer. Quitter la zone pour quitter la zone. Il a bondi hors de mon châssis et je ne peux pas le réinstaller moi-même. Auriez-vous la même idée de... J'ai tellement pas confiance. Et de procéder aux réparations. Je ne me souviens plus s'il s'agit de mon transistor de mémoire, mais essayons quand même de le réinstaller. J'ai pas envie de le soulever, le mec. Enfin, moi, j'ai pas envie de me battre, là. J'ai envie de tester cet event. Enfin, il a la conf, quand même, le gars. D'accord. Ah, mais oui, c'est un pote. Wow. Aïe, aïe, aïe. La masse robot. Moi je vote en concierge. La politique de la société m'autorise à vous offrir une récompense si vous m'escortez jusqu'à ma destination. Bien, je leur mets rien du tout. J'espère que le sang de leur boss tient. Je vais laisser se battre entre eux. Je me casse. La grande lâcheté, je me tire. On se tire. Parce que j'ai pas envie de balancer toutes mes balles sur ce genre de baston à la con. Ça peut faire un peu d'XP quoi, mais l'idée c'est... si je peux me faire agresser à tout moment, je préfère encore avoir mes balles pour les autres joueurs. Je vais devenir un gros rat là-dessus. Ça va être terrible. Parce que les munitions au début de jeu... appuie sur tab. Les munitions au début de jeu, c'est un peu la grande misère. Donc j'ai pas... pas le choix. C'est vraiment pas le choix. Ah mais t'es un niveau 3, je m'en bats les couilles. Oh Jésus, j'espère qu'on me pardonnera ce retard. Pardonne-moi ce retard, ça fait combien d'années que t'es là toi? Enfin, que t'as moisi sur ta route quoi. Ça m'arrive pas dans le dos comme ça toi. Vraiment. Ne m'arrive vraiment pas dans le dos comme ça.
C'est beaucoup trop dangereux pour ton cul. Est-ce que ce chemin a l'air différent pour vous ? Bah là, il y a pas de chemin en fait, c'est une maison. Et j'espère que le truc ça dure pas 27 minutes encore, parce que là ça va être s'il se passe rien sur la route, ça va être relou. Il me semble que c'est par là. Alors, ça fait 2h02 qu'on a commencé le stream. Je suis niveau 5 et je suis un robot bourré. Oh shit. Je suis pas mécontent que ce soit fini. Pas encore. On va allumer les lumières parce que là les ghouls, je les vois pas. Touché. On voit le risque, on peut trop vénère pour moi. C'est quoi ça, Mister Farm, le sol? Voilà. C'est quoi le risque? C'est un Mister Farm, on s'en fout. Je vais pas trop cracher mes balles parce que là. Enfin, le level 3 il peut les cracher dessus parce que lui il s'en fout. Oui. T'avances ou... que nous y sommes presque. Ouais, c'est rassurant, hein, parce que ça commence à faire un moment qu'on court pour rien. Je sens le coup de pute où c'est un robot qui est juste codé pour te diriger dans des guet-apens. Vous avez entendu c'est quelque chose là. Cela doit provenir d'un de mes capteurs cassés. Transformation en sang, fertilisation. Vous autorisez à user de la force contre tous les malandrins se mettant sur mon chemin. Malandrin. C'est un petit vieux. Chaque robot que je me rappelle avoir croisé comme ça, qui ressemble à celui-là, soit il était devenu fou, soit il était devenu fou. C'est... Enfin, ils sont étrangement humains. De là à ce que ce soit une expérience de Voltec qui a mis des cerveaux d'humains dans des robots. Ça n'a pas l'air d'être par là. Ça n'a pas l'air d'être par là. Mais connard, tu m'emmènes où? Où est-ce qu'on va? Ils seront si heureux de recevoir leur message. Je suis suivi par un grand level 3. Où est-ce qu'il y a quoi là-bas? Eh, mais cet event de ces morts là, j'espère franchement que ça dure pas 25 minutes ou c'est... Ouais, ça fait un peu 3 minutes que tu nous dis qu'on est bientôt arrivé. J'ai pas trop confiance en toi, Mister Messenger. Tu es suspect. Attention. Il y a des grands groupes de FPS sur la route, en tout cas. Ou alors c'est le fait qu'il y a une montée longtemps que... Ravira son destinataire. Complexe de New River John. C'est impossible, en fait. J'avais pas entendu. Ça, c'était des rats de cafards. Ce bruit-là, c'est des rats de cafards. 100% c'est des rats de cafards. Je vais les enculer. C'est exact. Par ici. Bonjour. Le jeune élève du foyer est-il présent? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'éléphant jeu. Ah non, c'est encore pire, je les aime pas, eux. Mes parents souhaiteraient vous féliciter pour ce travail si bien. Où est-ce qu'il se prend que c'est enculé? Ceci est un service offert par le département de l'éducation des Appalaches en partenariat... Ah, des mouches! Ma machette! Ah! Je crois que je trouve la touche pour la série. Ah! Meurs! Tu crois que tu es communiste? J'ai mal. Steampack, hein. Le message a été communiqué. Steampack. Je n'ai plus besoin d'aucune aide. Passez une bonne journée. Pas vraiment, mais bon. On va se contenter de ça étant donné que je suis à moitié radio. Je crois que ce soit terminé. Je n'accepte que les commentaires venant de l'expéditeur ou du destinataire du message. Et du coup, adressez vos plaintes à la direction. C'est tout.
J'ai même pas pu écouter. Je me suis fait agresser, quoi. J'ai pas pu entendre le message. Je suppose que ça m'énerve. Donc ils sont bien sortis de quelque part. Par là. Ça y est, c'est l'heure de la pause. Tendu beaucoup trop fort, mais en fait, oui. C'est sûr, vu que les murs, il y en a pas. Enfin, il y en a plus trop. Tiens, merci de m'ouvrir le frigo dans la gueule, quand même. Quête de bureau, flou. Qu'est-ce qui peut se looter? Ah, mais il y avait une porte là. Loot. C'est plutôt casse-pipe, oui. J'aimerais bien. Ah, mais le pire, c'est que je peux rien. Si je réactive le chat vocal, je peux lui dire. On peut parler aux gens. Vous allez voir des grandes embrouilles quand je vais sortir. Tac tac tac. Pas grand chose. Je comprends pas trop à quoi il servait Steven, parce que du coup t'entends pas parce qu'il y avait. C'est même pour te faire bouger dans le monde quoi, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup d'XP. Est-ce que je peux voir? Ah si, ah oui quand même fille. Étrange. Ouais c'est franchement sympa hein. c'est du Fallout, ça y est pas à chier. Mais enfin, je pense que ça va être très compliqué d'y jouer solo. Ça c'est sûr. Mais bon. Ça ne m'empêchera pas d'y jouer. Je vais redésactiver la lumière du petit boy parce que là. Je suis en plein milieu de la pampa. Faudrait pas que je me fasse avoiner le cul. Seul fertile, récupérer la cargaison parachute. Oh, il est drop. Non, je vais plutôt aller vers la quête. Pourquoi tu tires toi là? Ah! Nice! Ben, ils ont sorti pas mal de films dernièrement, donc c'est pas trop tôt en soi. Ils finissent par fixe, parce que le nombre de personnes qui étaient affectées par ça quand tu regardais les posts sur leur forum, ça commençait à devenir gênant, quoi, pour une société comme la leur. Mais quand tu veux, tu me... Ah, tab, 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 appuie sur tab. Et quand tu veux, tu m'envoies un message si tu veux jouer à Black Ops. C'est lui, il va mettre le jeu d'armes. Ah, c'est des gun games un peu à la Counter-Strike ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Saloperie. Aïe. Allez. Viens dans l'ordre. Aïe, aïe. Ces saloperies en fait, c'est que c'est des tortueux à la base, si je me rappelle bien. Donc, ils sont putain de tanky. Ils sont assez horribles. C'est vraiment horrible de se battre contre elles. Je vais peut-être crever. Allez. Saloperie. De voir déjà des sans-jeux, franchement, dans des niveaux aussi aussi bas niveau, je me rappelais pas de m'être embrouillé avec autant de sans-jeux. Pourquoi je suis slow comme ça? C'est à cause des PV. Steampack, Steampack, Steampack. Et on va prendre un faux filet. Ça nous remonte un peu la bouffe. On se remonte. Voilà. Ça doit être sympa le gagner. Faudrait que je vais essayer. J'y ferai un tour, je pense.
Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? C'est dans l'autre sens. Pas tard d'arrêter, je pense. J'ai pas non plus envie de me spoil de ouf le début du jeu. Il meurt trop beau. Ça a l'air. J'ai pas envie de me spoil non plus de ouf. Faut encore une trentaine de minutes, je pense. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est une goule. Ah non, c'est encore un. Ça, c'est un truc. C'est sympa comme. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Cadavre pétrifié. Résiste à quelle date? C'est le 14 novembre, il me semble. Faut vérifier sur G2Play. Sur le. Leur site directement, mais il me semble que c'est le 14 novembre. Oui, je suis un gros, c'est vrai que je me sers des pré-orders, enfin des pré-codes du truc. Truc de pré-code G2Play pour avoir les dates de sortie du jeu. C'était quoi ce bruit là? Il y a une rateau. Oui, il y a encore un rateau. Sors de là. Culé. Il y en a deux. Ouais, j'ai cru voir ça sur ton vlog. Ça, ouais, putain. C'est... J'ai hâte de le voir ce... en action, ce The Division 2. Parce que j'avais vu de certains mecs faire des vidéos. C'est aussi une de leurs vidéos de promo. Ils ont joué ça comme si c'était des. Enfin, c'est un teaser, mais avec des voix de joueurs, quoi. Donc... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. En espérant que ce soit moins buggé que The Division. Hein. Parce que cette fois, j'ai bien l'intention d'y jouer dès ma cage. The fuck. J'ai bien l'intention d'y jouer dès le départ, donc c'est intérêt à être stable dès le départ et pas quand on y jouera un an plus tard. Télé du bricoleur, un cycle objet. Alors, j'en ai en guerre. Tac, tac. Cage thoracique, pas le problème. Si, bon, ça donne pas de vis, hein. on va retourner là-dessus, mais les trucs qui sont censés donner des vis, je me rappelle sur Fallout 4 quand j'avais dû. J'ai démonté je sais pas combien de fours et j'avais pas trouvé une seule vis. C'est compliqué de se. Non, tu me. Pas la machette. De se faire de la thune sur. C'est hyper chiant ça, par contre. Fallout 4. Et saoulé le début du jeu, c'était une galère de tout, juste parce que tu pouvais pas vendre réellement tout ce que tu voulais. De sensibilité, évolueur de fortune. Tu pouvais pas vendre tout ce que tu voulais, c'était pénible. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Le dessus, le bois, des balles. Magnifique fusil, d'accord. L'atelier de bricoleur, c'est pour faire majoritairement des munitions. Je devrais pas rester. Faut vraiment que je pense à désactiver la lumière du petit bug. Ne pas rester 3 ans avec parce que c'est. Si les mecs sont réellement agressifs à la release, ça va être. Meilleur moyen de te faire buter. Il y a de l'électricité déjà, c'est. Ce coin n'est pas comme les autres. Hein.
Je connais personne qui est pute. Je connais personne qui est de clé bêta. C'est le problème. Parce que je sais qu'il y a des mecs chez Aesir qui vont y jouer. Je sais qu'il y a des mecs chez LTB qui vont y jouer. Mais après, des mecs qui aient déjà une clé bêta. Pas que je sache. Y'a rien. Décevant. Enfin, ça, c'est surtout ça qui me saoule. Est-ce que je peux fabriquer des épingles? Le jeu final, non, je parlais avec personne, donc... Enfin, c'est usuel, hein. C'est la dernière fois que j'avais commencé à parler avec des gens, de faire... de jouer ensemble, c'était... Ghost Recon Wildlands, et au final, j'ai joué tout seul, hein, donc... maintenant... je fais pas de plan sur la comète. S'il y a des gens qui veulent jouer avec moi, tant mieux. Sinon, j'aurai tout seul, tant pis. Il n'y a pas moyen de faire des putains d'épingles. C'est chiant. Ça fait... si j'en ai trouvé qu'une, ça va être ultra relou. En fait. Il n'y a pas une épingle. Hein. On va essayer d'explorer le reste de la maison. Oui, donc, ouais. Depuis l'expérience Ghost Recon Wildlands, je ne prévois plus rien. Parce qu'il y avait aussi l'histoire de... Il y a aussi l'histoire que j'avais bourré du monde pour essayer de... pour jouer au mode zombie, c'est pas réellement au mode zombie, mais le mode contamination sur R6, au final, t'as plein de monde qui m'ont dit pendant que le truc était en bêta, ouais, on va y jouer, bon, au final, personne n'y jouait. Il y avait Destiny 2 aussi, qui, plein de gens qui me racontaient, ouais, on va tous y jouer, bon, personne n'y jouait. Donc bon. je me préoccupe plus des autres. À ce niveau-là, ça m'a saoulé. Le journal, pourquoi il n'a pas lu automatiquement par contre? C'est chiant. Holo. Putain, je suis pas là. Salut maman. Salut papa. Je suis rentrée. Désolée d'avoir mis autant de temps. J'ai... Ah, c'était sa baraque. Oh, le bed. J'étais retenue. Je sais que vous n'êtes pas là pour entendre ça. Mais vous me manquez. Ça le batterie. Regardez papa noter ses copies sur la table du salon. Batterie, là. Ça me manque. La déprime de ouf. Autour de la radio. À écouter. La grande déprime. Papa, tu avais raison sur la vie souterraine. Rester 25 ans enfermé avec les mêmes personnes n'a pas été évident. Mais les voir se rapprocher, se marier et avoir des enfants. Tu m'étonnes que ça, c'était pas évident. Qu'est-ce que je voulais faire encore? Trouver le journal suivant. Départ ultime, aller voir le terrain géant, exiger l'aéroport de Morganton. Je pense qu'on va aller voir l'aéroport. Ouais, non, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, y a pas de soucis. Si tu veux faire des IEM, que je suis dispo, moi je suis chaud. Et récupérer la cargaison parachutée, c'est ça là. Ouais. Première vue. Ah non, c'est dans les divers, ça, donc c'est pas vraiment ça. Bon, on va quand même aller voir ce que c'était la cargaison parachutée, mais... Je suis pas convaincu que ce soit bien intéressant. Oui. Si je suis dispo, faut pas hésiter à me demander pour du Black Ops. Parce que moi, j'ai fait mon rush jusqu'au Prestige 1 maintenant. Le mode multi, j'y jouerai pas solo. J'y jouerai plus solo. Mais de toute façon, faut que j'aille essayer le mode zombie. Parce que c'est un peu pour ça que j'avais pris le pass. À la base, c'était pour avoir accès à toutes les versions du zombie. Course auto de ses morts. Surtout, si pieds. Les autres, oui, P1 et Mister X ont réussi à... Non, Mister X, il avait pas de problème, mais c'est P1. Comme ça, on peut être 4. Sa merde. Bloqué.
Sur moi qui tire là. Pourquoi je peux pas le vendre? Calciné, c'est le nom des ghouls sur ce... Bonjour l'IA. Qu'est-ce qu'on dit sur Discord? J'ai coupé Twitch, ma coude déconnement. Les calcinés, c'est les ghouls maintenant. Enfin, ils appellent. J'ai pas réellement perdu. Un cadavre, est-ce qu'il. J'ai pas vraiment fait. Parce que pour moi, ils ressemblaient à des ghouls, mais. C'était comme ça. Ça ressemblait à des ghouls. Enfin, la prochaine fois que j'en vois, j'essaierai de regarder leur cadavre un peu mieux. Mais ça ressemble franchement à des ghouls. Ah oui, celui-là. Cave de l'autre qui s'est... Enfin, de truc pétrifié qui s'est cassé la gueule. Casse la gueule tout seul. Ça, faudra en faire attention. Si tu fais pas gaffe qu'il y en a un dans le coin qui se casse alors que t'es à moitié AFK. Bonjour, radiation gratuite. L'idée, c'est de pas se casser les deux jambes. Il était où le cabouéran? Parce qu'il a pris les dégâts là, j'ai rien fait du tout donc. Et j'ai fait que dalle et le cabou est mort. Bon, soit. Hey. Je vais péter les genoux. Il y a des gros problèmes de. Ouah, le drop de FPS. Des gros problèmes de luminosité à mon goût, quoi. C'était une rabiche, on s'en fout. Ok, il y a eu un drop. Enfin, ça sent un petit peu le. Ah! Tab. Ça va venir. Le tab va venir. Le drop là, ça sent un petit peu la. La pâte, le truc tout droit issu de des Battle Royale et des Rust d'ailleurs. Il y avait des drops sur Rust, si je me rappelle bien. Des drops de ses morts, mais il y avait des drops. Un petit peu comme les FPS, j'arrive à parler, les FPS. Les bons gros FPS drop, comme on aime. T'as un HM si vous voulez passer. Ouais, bah fallait utiliser un AT Everyone si tu voulais que je passe au HM. C'est en train de se régler. Je vais me mettre là et. Passer mon niveau. Passer un pack d'aptitude dans l'air sous le vrai. En bas. Fais-moi peur à l'arrivée, ouais. Ouais. Impossible de viser les membres en mode. Avec.
Les cons. Je sais pas en quoi je vais le mettre. Hein. C'est bien. Ça c'est bien. Est-ce que je vais débloquer un truc pour le JT? Non. Volontaire. Si vous avez besoin de repères. Luck, j'ai pas de truc pour le JT, pas encore en tout cas niveau 8, c'est. C'est stressant d'avoir les bruits à côté. Oh, pas vu qu'on pouvait monter. Y a-t-il calage de salade. Ça fait vraiment très longtemps qu'ils sont tous cramés ou quoi? Donc on a dit. Dernier truc qu'on va faire, on va aller trouver les Samaritains. Départ ultime. L'aéroport, il est. Je sais pas où il est. Il est vachement loin. Comment? Un marqueur. On va tracer notre route par là-bas quand j'aurai trouvé où j'ai mis mon marqueur. Voilà, il est là-bas. Pierre géante. Pas la voir aujourd'hui, je pense. Enfin, on n'ira pas la voir pendant la bêta. On fera vraiment, quitte à faire de trucs propres, autant le faire quand le jeu sera sorti. Quoi, parce que sinon, l'idée c'est pas de se dégoûter du jeu. Prendre une petite côte de chien et de l'eau purifiée. Et on va tracer notre route. Ah la PA! C'est chiant ça la PA. Il va falloir vérifier ce qui te rapporte de la PA parce que sinon ça va vite me casser les noix. J'espère par contre qu'ils vont pas ajouter de véhicules parce que là, sinon ça va casser toute l'ambiance. Déjà hard pop c'est que les barres de merde. Ça je vais m'en faire des côtes de chien errant avec vous, bande de cons. Quoi? Ah quand même. Il faut du cuir de toute façon, parce que si je veux améliorer les armures que j'ai sur moi, il va me falloir du cuir. Et du cuir à balles. Bon, je vais ramasser une arme. Voilà. Pistolet 10 mm. Ça va être. En espérant que ce soit un peu mieux. Un pompe, le pompe il tire en cartouche, c'est des cartouches. Dix-neuf, bon, on va pas changer pour si peu de bonus, Osef. Bon. Waouh, le 10 mm il est énorme. Il y a un peu de clipping j'ai l'impression. Je me suis pas encore fait agresser. Je pense qu'autour de l'aéroport ça va pas être la même histoire et qu'on va pas mal se faire agresser. Je trouve plus mes pompes. Voilà, bon. Ah bon, bah sur cette dernière raid, je pense qu'on va commencer à faire un petit bilan.
Ça va être relou au niveau des quêtes. Enfin, ça va être relou. Il va falloir vraiment faire attention avec qui on va jouer, si on joue avec des gens. De toute manière, je pense que je le streamerai. Mais enfin, ça va être dur pour les mecs qui ont l'habitude qu'on les prenne par la main, en fait. Parce que là, je pense que... Les mecs qui ont l'habitude d'être pris par la main, ça va être très compliqué pour eux. Étant donné que il va falloir... Bah, il va falloir faire votre aventure tout seul, quoi. Hein. C'est... Si vous n'allez pas chercher les quêtes, vous allez vous faire chier. Parce que là, j'ai pas mal exploré le truc. J'ai occupé 3 heures, presque, allez, 2h32, là, j'ai sur OBS. Donc, sachant que j'ai mis 10 minutes de pré-stream, donc ça fait 2h20 de temps de jeu réel. Alors qu'au final, j'ai pas fait tant de choses que ça dans le jeu. Hein. Je suis beaucoup baladé, j'ai exploré. C'est des calcinés. Ils ont quand même accéléré, que c'était pas aussi smooth que ça, le fait de jouer sans SVAV, donc ça peut-être sera plus viable de jouer sans SVAV. Ça me rassure un peu, parce que je pense que les combats contre les joueurs, les SVAV, c'était pas du tout possible. Donc là, que ce soit aussi smooth, c'est plus type FPS, quoi. Bon, après, je pense que les puristes de Fallout vont... On va hurler au scandale, moi, bon... Tant que c'est bien fait... le mode de jeu, le mode de combat... Mais il faut que ce soit bien fait, quoi, c'est... Ça, c'est le... Le truc capital, c'est que si c'est fait avec le cul, il y a plus moyen que vous m'entendiez gueuler. Mais si c'est bien fait, ouais, j'ai pas de raison de leur dire quoi que ce soit, hein. Ils estiment que c'est une meilleure manière de faire de gameplay possible pour le jeu. Alors là, faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Ceci, des bons pneus, fou, ma d'acier. Ah oui, je vais tout recycler tout ce que j'avais équipé. Je pense que les autres armes, je vais pas tarder à les larguer, parce que le 10 mm généralement c'est mon arme de prédilection. Quelle tronche de merde vous avez? Ouais, c'est bien, c'est l'équivalent des ghouls. Sauf que c'est peut-être pas les radiations qui leur ont fait ça, mais ils ont peut-être réellement cramé. Ou c'est un mélange, ou c'est les brûlures par radiation aussi. Donc... Que dis-je? Tellement de possibilités pour se faire cramer comme ça. Enfin, de toute manière, c'est clair que il y a eu une histoire de radiation dans le tas, parce que sinon, il serait pas plus en vie pour pouvoir me tirer dessus. Mais ils sont bien, tas, ceux-là. J'espère qu'il y aura comme. C'est un robot communiste, ça. J'espère qu'il y aura quand même des calcinés à qui tu pourras parler, parce que les villes de ghouls dans les autres Fallout étaient sympas. C'était assez sympa de voir d'ailleurs le racisme se créer sur les survivants, quoi. C'est comme les mecs, ils sont pas assez fait la guerre avant. Oh, salope, putain. Oh, le Hulker, quoi. Cette grande panique que j'ai eue. J'ai entendu un casse. Il y a
encore des calcinés dans le coin. Et je vais manger une petite côtelette. Ouais, je voudrais juste l'entendre. Manger de l'écureuil. Côte de chien, voilà. Et je les entends maintenant, il ne reste plus qu'à les trouver. Avant de se faire sauter dessus et que j'ai un autre arrêt cardiaque. Elle est où? Elle est encore au-dessus. Ça, c'est réglé. On n'a pas d'autre. Cocktail Molotov. J'aime, j'approuve, j'apprécie ce cadeau. Fort agréable, s'il en est. Je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser, si je l'utiliserai, mais j'apprécie le cadeau. Est-ce qu'on peut explorer les mines? Ça, c'est bien. Que ce soit pas juste un des décors extérieurs, c'est bien. Je pense qu'il y a moyen qu'on y passe des heures sur ce jeu, mais ça va dépendre de plusieurs choses quand même, malgré tout. C'est est-ce que le mode PVP est bien réglé? Est-ce que c'est viable à long terme, quoi? C'est que l'idée, c'est pas non plus de faire un Rust-like, parce que le Rust-like, ça m'intéresse pas du tout. Porte des chiottes. Et est-ce que le mode construction va pas juste me casser les bonbons? C'est qui a fait que je dois avoir 3 fois moins de temps de jeu sur Fallout 4 que sur Fallout 3 ou sur New Vegas. C'est que bah ça m'a gonflé, quoi. Mais après, si le mode de construction est moins chiant et qu'au bout d'un moment tu peux commencer à voir. Signal de détresse des Samaritains, signal trouvé. Bon, allez, on va écouter ça. Et donc la radio ne tourne plus. What? What? Tout le monde est demandé à la base aérienne de Morgantown. Je répète que tous les Samaritains se rendent à la base aérienne de Morgantown. Apportez toutes les armes que vous pourrez. What? Les calcinés approchent et ils sont... Ah d'accord, ok. Nous n'avons plus le temps. Ça fonctionne comme ça. Je répète. D'accord. La séquence. Ok. Ok. Bon. Tout le monde est demandé à la base aérienne de Morgantown. Je répète que tous les Samaritains se rendent à la base aérienne de Morgantown. Apportez toutes les armes que vous pourrez. Les calcinés approchent et ils sont nombreux. Je vous en prie, dépêchez-vous. Nous n'avons plus le temps. Chavez, terminé. Je répète. Mais ça coûte pas si cher en ressources. Tout le monde est demandé à la base aérienne de Morgantown. Je répète que tous les Samaritains se rendent à la base aérienne de Morgantown. Apportez toutes les armes que vous pourrez. Les calcinés approchent et ils sont nombreux. Comment on passe aux autres trucs à construire? Nous n'avons plus le temps. C'est la modification. Je répète. Va y avoir des trucs super sympas à se faire. Je vais me placer sur la première montagne et sniper tout ce qui bouge. Je répète que tous les Samaritains se rendent à la base aérienne de Morgantown. Apportez toutes les armes que vous pourrez. Les calcinés approchent et ils sont nombreux. Cabrac. Chavez, termine. Je répète. Voilà. Tout vient là-dedans. Tout le monde est demandé à la base aérienne de Morgantown. Je répète que tous les Samaritains se rendent à la base aérienne de Morgantown. Apportez toutes les armes que vous pourrez. Les calcinés approchent et ils sont nombreux. Je vous en prie, dépêchez-vous. Bric-à-brac, ce bordel de merde que je t'ai déjà fait là. Bon.
je me sens plus léger. Allez, à la baston, et après, ce sera la fin de ce stream. Tout le monde est demandé à la base aérienne de Morgantown. Je répète que tous les Samaritains se rendent à la base aérienne de Morgantown. Apportez toutes les armes que vous pourrez. Les bon, on va couper, passer le signe du camp. Fermez ta gueule. Ici Jeff Nakamura, Samaritain. Nous avons établi du camp. Ah, mais ils sont chiés, quoi. Dans l'église en face de la taverne de Flatwoods. Et si vous pouvez traiter je peux se faire chier, on va balancer un petit Radaway. Je répète. Radaway Didier. Petite côte de chien. Petite côte de chien. Salut à tous, ici Jeff Nakamura, Samaritain. Approchez cible. Cassos. Si vous pouvez me tenir pour nous aider, ça ne sera vraiment pas drôle. Je leur fais rien. Laisse tomber. On laisse tomber, on se casse. On laisse tomber, on se casse d'ici. Salut à tous, ici Jeff Nakamura, des Samaritains. Nous avons établi un camp c'est bugué. Ils offrent du matériel, des médicaments et un entraînement à la survie à quiconque en aurait besoin. Vous nous trouverez dans l'église en face de la taverne de Flatwoods. Et si vous pouvez donner un peu de temps pour... Je leur fais pas du tout des liens même, mais bon. Je répète. Holy shit. Salut à tous, ici oh, il était dégueulasse cet effet d'explosion. C'était immonde. Putain. Et offrons du matériel, des médicaments et un c'était immonde. Yep. Vous nous trouverez dans l'église en face de la taverne de Flatwoods. Et si vous pouvez. Je répète. Salut à tous, ici Jeff Nakamura, des Samaritains. Nous avons établi un camp à Flatwoods et offrons du matériel, des médicaments et un entraînement à la survie à quiconque en aurait besoin. Vous nous trouverez dans l'église en face de la taverne de Flatwoods. Et si vous pouvez donner un peu de votre temps pour nous aider, ça ne sera vraiment pas de refait. Je vais couper. Oui, non, mais t'es pas en train de répéter, t'es juste en train de me faire chier. You took it right back, just a fair weather friend. Foolish me, I couldn't see the handwriting on the wall. Est-ce que c'est précis? Ça va, putain. Cette distance-là, cette arme de merde, je pensais pas que ça touchait. Just when I needed someone. Oh, est-ce qu'il y arrive? Il y a des trucs partout là par contre, quand ça pète les têtes, c'est par là. Ça me pète un peu la tête. Il m'a vu. Il m'avait pas vu. Tu m'étonnes. Ah bah oui, niveau 1, hein. C'est pas tellement de points. C'est ici. C'est là. Je suis à côté. Bon alors. Qu'est-ce que c'est que cette mission qui m'a fait traverser la moitié du pays là.
mettre une petite d'eau à la porte gauche. Il est où ? Ces bruits de pas. De course partout, ça va être terrible. Yeah. C'est les cadavres qui sont tombés en miettes. Et il a un fusil à pompe aussi. Journal du superviseur, Morgantown. J'adorais venir ici le week-end. J'ai jamais terminé mon brevet de pilotage. Qui aurait cru que l'aérodrome se transformerait en dernier bastion? De quoi sont morts tous ces gens? Cette maladie, cette infection calcinée, elle est partout. Elle touche tout. Les humains, les animaux. Et quoi d'autre? Je ne sais pas comment combattre ce fléau. Mais nous devons étudier toutes les options. Même les missiles. Les fléaux sont peut-être... Je suis en train de tuer des... C'est une sorte d'infection. C'est une sorte d'infection partout, en fait. Elle est transmise par une espèce d'énorme animal. La sulfurie. Et si les malades restent trop longtemps dans cet état... Ils finissent par brûler vif. Une sorte de combustion instantanée. Le mont Vésuve à l'envers. Mais chaque chose en son temps. La maladie ne doit pas nous... Drama, quoi. On dirait que les Samaritains étaient en train de développer une sorte de vaccin. Je vais reprendre là où ils se sont arrêtés. Et vous devriez faire de même. C'était votre superviseur. Terminé. Nous devons détecter la source de cette maladie et l'éradiquer... avant qu'elle ne se propage en dehors des Appalaches. Bad trip. Mais chaque chose en son temps. La maladie ne doit pas nous contaminer. On dirait que les Samaritains étaient en train de développer une sorte de vaccin. Je vais reprendre là où ils se sont arrêtés, et vous devriez faire de même. C'était votre superviseur. Terminé. Fichier personnel, membre senior. Personne qui a survécu, j'ai l'impression, des Samaritains. Ils sont tous décédés. Ah, les confréries de l'acier. Ça me souvient. Drama de faction, ça j'ai hâte de le voir aussi. Bon. Comment? Que dire? Très bien lancé. Je pense que je vais arrêter là parce que j'ai pas non plus envie de me spoiler. L'idée c'est pas de finir le jeu. J'ai pas envie. Quand je parle de me spoiler, c'est vraiment. Je parle de. Fois la partie exploration comme la partie. Complètement crevée lui. Que ce soit de l'exploration comme de la. Ça c'est un avis de la confrérie généralement. De l'exploration, les quêtes, l'histoire en elle-même.
pas grand intérêt à le faire maintenant. Donc je vais arrêter. Mon avis sur la sur cette bêta, bah quelques petits problèmes d'optimisation qui seront certainement réglés d'ici à la release via soit par les développeurs, soit par un driver. On est sur du Fallout niveau ambiance, des grosses interrogations au niveau du PVP, de l'aspect Rust-like qui me fait peur, mais après c'est un peu vivre avec quoi, mais c'est pour à la base une ambiance de Fallout, c'est chiant parce que moi j'ai pas envie de, parce que ça m'intéresse pas de jouer un Rust quoi, c'est ce que j'ai envie de jouer un Fallout qui plus est si possible avec des potes. Ça on verra. Ouais. On verra bien. Je vais vraiment pas jouer là. Donc, c'était mon essai sur la bêta. Ça confirme que j'ai envie de j'y jouer. Après, ça va. Combien de temps ça va dépendre de. De comment ils ont. Comment ils vont faire leur truc quoi. Si c'est vraiment du Rust-like, ça m'intéressera pas. Sur la longueur. Je finirai la storyline principale et après ce sera marre quoi. Ça me. C'est un peu frustrant de s'arrêter là malgré tout, mais bon. Le jeu il sort dans 13 jours. Autant se garder le plus possible de surprises, parce que c'est avant tout ce qui m'intéresse dans les Fallout personnellement. Bon, bah, on va couper là. On va couper là, on va prendre une petite photo de fin. Notre photo. I want to ride to the ridge where the west commences. Bon. Que dire? Pas grand chose. Merci d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo, parce que maintenant je vais l'upload sur YouTube, vous plaira, que ça vous aidera vous à faire votre choix. J'ai essayé de montrer pas mal de trucs. Des mécaniques, parce que j'ai pas envie d'explorer, comme je l'ai dit, je veux garder la surprise et la découverte réelle des bâtiments, parce que c'est avant tout ça qui me plaît, j'ai pas envie de rusher le jeu quand on arrivera à la release. Donc, rendez-vous dans 13 jours, pour jouer à du Fallout, et sinon, rendez-vous ce week-end, normalement, je ferai du Call of Cthulhu. Bye! Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam,
Y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière.